Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Breaking news, l'affaire de l'évêque Pascal Mukuna de l'église ACK, président du club de football Renaissance, FC Renaissance du Congo. Son affaire au ministère public vient d'être classée. Notre évêque Pascal Mukuna va avoir 20 ans de prison pour viol. Il va encore avoir 2 ans et 2 mois de prison pour menace, ainsi qu'une amende de 1 500 000 francs congolais pour détention illégale des biens, des documents parcellaires. Et je rappelle que c'est depuis le mois de mai, le 14 mai, que l'évêque Pascal Mukuna a été en détention à la prison centrale de Makala pour viol, accusé par la dame Mami Chibola, avec tout ce que nous avons vu comme sextape et tout. Et aujourd'hui, l'affaire vient d'être classée. Bon, l'affaire est classée, c'est la justice, on n'en disconvient pas, mais bon, je me pose des questions. Combien de cas de viol il y a eu au Congo? Combien de cas de viol il y a eu en République démocratique du Congo? Combien de personnalités sont tombées dans cette affaire, mais qui n'a pas été gérée si rapidement avec des graves sanctions comme pour l'évêque Pascal Mukuna? Je ne suis pas pour lui, moi je suis juste là pour dire que la justice est générale, elle est impersonnelle, c'est ce que nous savons de la justice. Il ne faut pas faire de deux poids, deux mesures, non. Quand il y a ce genre de cas, quand on punit comme ça, il n'y a pas que M. Mukuna, il y a encore d'autres personnes qui sont dans le même cas. Alors on se retrouve prochainement, je vous dis merci. Ce n'est qu'une information que je voulais passer pour vous tenir au courant de ce qui se passe, voilà. Ciao.